On est prêt? Bonjour, monsieur Mathieu. Monsieur Mathieu. Okay. Essayez de pas me faire couper un doigt. Et voilà! Allez-y, André. C'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons ce soir pour la grande ouverture de la friperie. Tout l'aménagement a été réalisé par les élèves de FPT en trouble de langage. Et tout d'abord, j'aimerais souligner la présence de M. Petitclair, directeur général de la CSDM, à venir vous dire quelques mots. Déjà? Oui. Merci. Merci beaucoup, monsieur. D'abord, je veux vous remercier de m'avoir invité. Vous savez, je reçois comme directeur général de la commission scolaire un très, très, très grand nombre d'invitations. Et malheureusement, dans le cadre de mes fonctions, je ne peux honorer toutes ces invitations. Mais il y a cependant des invitations que rien ne peut m'empêcher d'honorer. Et ce sont des invitations dont la base repose sur des valeurs qui sont les valeurs de la commission scolaire, mais qui sont avant toute chose, je vais le dire très, très simplement, des valeurs qui me sont très personnelles. Et quand j'ai reçu cette invitation qui, hors de tout doute, témoigne de valeurs qui sont les miennes, donc celles de l'entraide, du partage, de la générosité, de l'ouverture sur la communauté, de la compréhension des véritables besoins des gens qui nous entourent, avec lesquels nous vivons, je n'ai pu effectivement résister à cette invitation. Je dois vous dire qu'il y a quelques années, on avait effectivement souhaité que ce genre d'initiative puisse se mettre en place. Je suis extrêmement heureux de voir ce soir que la direction de l'établissement, les enseignants, le personnel administratif et surtout les élèves ont compris. Puis quand je dis « ont compris », je fais référence aussi à des valeurs qui, je suis sûr, sont les vôtres et que nous partageons. L'essence même de la générosité pour permettre à chacun des élèves qui sont dans nos établissements d'atteindre leur plein potentiel. J'ai en plus ce soir, je l'ai dit, l'immense plaisir, mais vraiment l'immense plaisir, puis c'est un clin d'œil tout particulier que je leur fais, de retrouver dans votre groupe des élèves que j'ai eu le bonheur de connaître, je dirais, dans une autre vie. Dans une autre école et qui, à l'époque, m'avait fortement émerveillé. Et j'étais convaincu que ces enfants-là iraient loin. Et donc, je suis très heureux de voir que ces jeunes se sont intégrés dans la communauté de Saint-Henri, qu'ils sont en progression et, bien sûr, que nous allons ensemble et qu'ils vont réussir à faire leur chemin dans la vie sur le marché du travail. J'apprécie particulièrement aussi cette conscience que vous avez à l'école, puis là-dessus, je vais remercier les enseignants de l'école de savoir que cette ouverture que nous avons n'est malheureusement pas toujours celle que tout le monde devrait avoir, et d'avoir cette très grande sensibilité de pouvoir préparer les gens vraiment à une intégration véritable au marché du travail. Je suis conscient de voir aussi, pas conscient, mais très content de voir ce que les jeunes, vous avez réalisé. C'est très impressionnant.
hein, que ce soit en termes d'architecture, de design, d'organisation, les apprentissages que vous avez faits. On parlait d'intégration des connaissances liées à l'informatique, la comptabilité, vous allez être à la vente. Vous allez être en relation avec la communauté de Saint-Henri, parce que j'ai bien compris que votre friperie ne sera pas qu'un petit commerce qui va se gérer à l'interne, mais un commerce ouvert sur la grande communauté de votre quartier. Et je suis convaincu qu'à partir de cela, les gens du quartier, vous allez aussi faire rayonner la réputation de Saint-Henri auprès, effectivement, des gens du quartier. En terminant, je voulais, vous savez, j'ai tout le long tout à l'heure pendant que je venais, parce que je le dis probablement mal, mais je suis très, très impressionné par le... C'est mes valeurs, donc ça me touche. Je suis très impressionné par le travail que vous faites. Et donc, tout au long tout à l'heure du trajet entre la commission scolaire et maintenant, je me suis demandé quel petit signal je pouvais vous envoyer à vous, les élèves et au personnel, pour vous signifier à quel point j'apprécie le travail que vous avez fait, votre engagement, votre ouverture à la communauté. Et je n'arrivais pas à trouver. En arrivant, j'ai échangé avec M. Gouin. Puis c'est avec plaisir donc, que je vous dis aujourd'hui que je vais laisser à M. Gouin une autorisation de dépense. Puis c'est ce que ça veut dire. C'est une facture qu'il va m'envoyer. Là. Donc, une autorisation de dépense à hauteur de 2 500 $ pour vous permettre de faire une sortie que vous pourrez convenir en guise de remerciement pour ce travail, pour cette ouverture à la communauté. J'ai compris que vous êtes environ une cinquantaine de personnes, grosso modo, dans les groupes, parce que me disait M. Gouin avec les accompagnateurs. Donc, ce petit geste bien modeste, j'en suis conscient, mais je veux que vous le receviez, l'ensemble des gens qui sont ici, comme une immense appréciation de ma part. Merci beaucoup. Merci. Merci, M. Petitpère. maintenant, j'inviterai M. Mathieu, directeur du réseau Ouest, à vous adresser la parole. Alors, c'est jamais facile de parler après M. Petitclerc. Alors, je vais commencer par remercier M. Petitclerc de ses paroles, qui sont bien senties. C'est un homme, on le sait, d'engagement. Et je trouve que vous avez eu les paroles pour bien remercier toute la communauté ici de l'excellent travail qui a été fait. Je suis convaincu que la somme d'argent que vous laissez va très certainement être bien utilisée. Alors, à mon tour, je tiens à vous dire toute l'admiration que j'ai devant votre projet. Je vous écoutais aussi, M. Petitclerc, mais je regardais tous les détails, tout ce qui a été pensé ici, c'est vraiment fantastique, c'est vraiment merveilleux, et il y a beaucoup de bon goût. Non seulement c'est efficace, tout est là, mais c'est vraiment fait avec un immense bon goût. Alors, je tiens à vous féliciter, tous les élèves qui ont participé. Je tiens également à remercier, évidemment, vos enseignants, parce que je sais qu'il y a tout un encouragement puis tout un encadrement que vous recevez. Alors, on a raison d'être fiers de Saint-Henri. Ce n'est pas le seul projet. On sait qu'il y a de merveilleux projets. D'ailleurs, on est filmé actuellement. Je sais que c'est un autre très beau projet qui existe à l'école. Alors, je vous invite à continuer à faire rayonner votre école, à faire rayonner votre milieu. On est très fiers de vous. Merci beaucoup. Moi, je vous fais un bref historique de ça. Ça a été pensé. Puis moi, je veux souligner beaucoup, beaucoup toute la patience et le temps consacré à bâtir cet endroit, parce que ça a été pensé, ça a été concrétisé, mais surtout, ça a été élaboré avec une justesse et une précision au niveau des choses. Beaucoup, beaucoup de choses ici viennent de nos ateliers, du bois qui a été travaillé par les élèves, de la conception. C'est conçu, c'est créé et c'est aménagé par eux. Et c'est tout un événement, puisque souvent on dit qu'en FPT, les élèves n'ont pas de but, mais là, ça en est tout un, et c'est tout un accomplissement. Je vous félicite, encore une fois. Merci, Andréanne, merci
à Jacques, merci à Michel, merci aussi à l'organisme communautaire Mission Bon Accueil qui va nous épauler aussi tout au long de la friperie ici, qui participe aussi à ça, et aux gens qui filment pour le multimédia. Bravo, on attend d'autres projets comme ça, je sais que ça s'en vient, merci et belle réussite, bravo. L'aventure de toute la friperie a débuté l'année dernière, donc avec la classe de langage, mes élèves de FPT. Dans le cadre du cours d'autonomie et participation sociale, on réfléchissait sur le thème de l'environnement et aussi de ce qu'on pouvait faire pour nous engager dans notre collectivité. Déjà en FPT, on travaille beaucoup au niveau de la récupération de papier, du recyclage, on fait la réparation de chaises, donc c'est quelque chose qu'on a déjà à cœur ici à Saint-Henri. Mais les élèves voulaient en faire plus. Donc, on a eu l'idée d'une friperie pour l'école, mais surtout pour les habitants du quartier. L'objectif est d'ouvrir, bien sûr, aux élèves de l'école, mais d'ouvrir à la collectivité. Un quartier où est-ce qu'il manque beaucoup de ce type de ressources actuellement. Tout de suite, lorsque j'ai présenté le projet au personnel, tout le monde a embarqué. Donc, en FPT, les enseignants ont dit « oui, on embarque ». Et on a vu le potentiel. Donc, nos élèves avec le local pouvaient gérer une PME, mais aussi avaient une possibilité de mini-stage à l'interne afin de pouvoir développer des compétences pour intégrer par la suite leur milieu de stage à l'externe et éventuellement le marché du travail. Donc, je suis allée présenter le projet à M. Gouin et ce dernier nous a donné l'autorisation de démarrer le projet. Et il nous a même accordé un super local qui était vraiment convoité. Merci beaucoup, M. Gouin. Sans vous, rien n'aurait été possible. Merci de nous avoir accordé votre confiance. C'est vraiment apprécié de votre écoute et de nous avoir ouvert la porte toujours de votre bureau. Dieu sait qu'on est allé souvent, surtout M. Jacques, avec différentes demandes de dernière minute. Donc, suite à l'autorisation, on a pu entamer le projet. Par contre, on a eu le local seulement en septembre parce qu'il était déjà voué à autre chose. Donc, j'ai commencé dans la classe avec les élèves à faire le tri, laver, sécher, démousser, etc., faire l'inventaire. Et là, on s'est commencé avec des boîtes partout dans la classe. Un peu une classe atelier, finalement. Les vêtements ont été offerts par les membres du personnel, que je tiens à remercier d'ailleurs. Devant l'ampleur du projet, on a développé des liens aussi avec les ressources de la communauté, le Carrefour Jeunesse Emploi, plus particulièrement Patricia, qui n'est pas là malheureusement actuellement, qui m'a aidé à mettre en place les étapes de la réalisation du projet. Et aussi, dernièrement, Jonathan de la mission Bon Accueil. Donc, comme j'ai quitté, je ne suis pas au courant des derniers développements, mais c'est ça. Merci beaucoup de votre implication. Donc, les élèves ont vraiment été impliqués à chaque étape de la réalisation du projet, que ce soit de trouver le nom, le logo, faire les affiches, prendre les mesures du local, faire les plans d'aménagement, la conception des meubles, la peinture, etc. Donc, à chaque jour, on voyait leur motivation, leur détermination et aussi leur fierté par rapport au projet. Je tiens à remercier aussi les autres enseignants du projet, donc Mélissa et Sébastien, qui ont travaillé dernièrement sur les affiches et le dépliant. David, notre spécialiste en informatique. Sylvie, qui est notre artiste ici à Saint-Henri, donc pour la peinture, le choix des couleurs, etc. Est-ce que j'oublie quelqu'un, Jacques? Ah oui, Jean, je crois, et Claude, pour leur travail des derniers jours. Finalement, j'aimerais vraiment remercier Jacques Lapointe qui a repris le flambeau à mon départ et grâce à ton implication, vraiment les élèves ont développé des compétences qui vont leur être essentielles. Merci beaucoup, c'est grâce à toi tout ça. On a une super boutique et poursuivons cette belle expérience. Vous pouvez être fiers, là je m'adresse aux élèves, vous pouvez vraiment être fiers. C'est un super projet que vous avez mené à terme et voilà, longue vie au travail de service.